Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? C'est un enseignement qui arrive par rapport à la fin de cette année pour le mois de décembre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Car quelqu'un, Dieu veut te parler. Je lis la parole de Dieu avec respect. Juges 14, verset 6. Juges 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit, dans d'autres versions, veille sur Samson. Et sans avoir rien à la main. Sans avoir rien à la main, n'ayant rien dans la main. Mm-hmm. Samson déchira le lion. Samson déchira le lion. Comme on déchire un chevreau. Comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père. Il ne dit point cela à son père. Et à sa mère. Et à sa mère. Ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait. Et la Bible déclare que lorsqu'il va effectivement descendre quelque temps après, Samson se détourna pour voir le corps du lion et à l'intérieur il y avait un essaim d'abeilles et du miel. Alors avant de prêcher ce matin, je voudrais vous montrer quelque chose sur l'écran. Je voulais qu'on regarde tous. Regardons défiler certains appareils. Qui se souvient de ça? Oh, si je me souviens de ça, acclame pour ça, parce que ça, ça a été le téléphone d'alors. Si tu n'as pas ce téléphone avant, c'est que tu n'es même pas quelqu'un. Deuxième portable. Celui-là, quand il est sorti, tu l'as pas aussi. C'est compliqué. Troisième portable. Là, c'est les classes, les gens qui... Hein, qui se souvient de ça? Là, quand tu as ça, tu mets ça. Parce que quand tu as ça, tu étais... Amen. Glorifiant Dieu. Et maintenant, voilà ce qui arrive, ce qui est là du moment actuellement. Et c'est ce que je sais que tu vas avoir par la grâce de Dieu. Voilà le iPhone 12. Acclame très fort le Seigneur. Voilà, ça c'est la nouvelle technologie. Dis Amen. On va aller maintenant sur les téléviseurs. Qui se souvient de ça? Ça là, les parents ont frappé les enfants à cause de ça. Ça dit que tu penses qu'il dort, tu allumes mon vieux, tu vas bouger antenne là jusqu'à, tu sais même pas où ça s'en va, mais où c'est bloqué là, que l'image est venue, tu laisses ça là. Si un enfant a dérangé l'antenne là, que ça neige, tu dis, mais qui a dérangé l'antenne? Dis Amen. Ça, c'était les téléviseurs blancs et noirs. Amen. Et maintenant, voilà ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses changent. Dis avec moi, les choses changent. Nous allons aller maintenant et dernièrement sur les véhicules. Qui se souvient de ça? Quand tu as ça, que tu as un maxi pour les femmes, on dit tu as réussi. Tu es la femme doit ministre ou bien tu es dans le gouvernement. Parce que ça, avant, tu vois ça comme ça, mais ça là, son affaire était fort au plateau. Alléluia. Une autre voiture. Ha. Moi, mon père avait ça. Quand on l'avait ça, mon père était assis à côté avec une chaise. Il a dit que faut même pas gratter sa 504. Il a dit que pour laver ça là, mon père à son âme, il a assis une chaise à côté et puis vous lavez. C'est même pas pour dire vous lavez pile en haut. Et voilà ce que Dieu va faire maintenant cette année pour toi. Au nom de Jésus. Si tu acclames le Seigneur, ces choses-là, Dieu peut te les apporter au nom de Jésus. Dis Amen. Maintenant, assieds-toi dans la présence de Dieu. Elle est belle, non? C'est une version de Mercedes qui n'est pas encore sortie. Il y a des choses cette année, tu ne dois pas regarder maudit. Tu dois acclamer ça pour que ça vienne dans ta vie. Alors, où papa veut en venir ce matin en nous montrant de telles images? Nous avons acclamé, nous avons souri. Mais derrière ce message se cache un appel du Seigneur. L'histoire de Samson ce matin est une histoire qui doit emmener plus d'un à réfléchir à sa destinée, surtout dans ce mois de décembre et en fin d'année. Numéro 1, Samson a combattu un combat. Il a combattu un lion. Il a combattu un animal féroce. Et la Bible dit qu'il a déchiré, il a vaincu ce lion. Nous sommes nombreux ici qui sommes comme des Samsons. Samson signifie petit soleil. Et Samson, c'est toi et c'est moi, parce que nous sommes des Samsons pour notre famille, des Samsons pour notre génération, des Samsons pour tous ceux qui nous entourent. Et c'est parce que tu es un Samson que des obligations, des combats te localisent, des choses bizarres t'arrivent.
Parce que Samson ce jour-là marchait avec son père, marchait avec sa mère, mais c'est lui que le lion a attaqué. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Je suis dans ma famille, mais c'est moi que les choses attaquent. Je suis quelque part, mais c'est moi qui ai toujours un problème. Je suis quelque part, mais c'est moi qui ai toujours une difficulté. Parce que tu es Samson. Parce que tu es Samson. La Bible dit, Samson déchira le lion. Et lorsqu'il déchira le lion, ce jour-là, il n'y a rien eu. Dit ce jour-là, il n'y a rien eu. Et la Bible va dire, quelque temps après, ça veut dire que si quelqu'un était charnel, il regarde le lion de Samson, il se dira c'était un lion normal. Mais quelque temps après, quelque chose va sortir de ce combat-là, du miel. Or Dieu dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Le miel est le symbole de la bénédiction. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, à un niveau inégalé, il ne parle plus de lait, il parle miel. Et ce jour-là, Samson a combattu un lion. Mais le même jour, il n'y avait pas de gloire. Le même jour, il n'y avait pas de miel. Mais quelque temps après, le miel est arrivé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des combats que tu as fait en 2020 et c'est maintenant que le miel va arriver. C'est vers la fin de l'année que le miel va arriver. Il y a des combats des lions que tu as terrassés. Il y a des combats dans lesquels tu t'es engagé. Mais tu n'as rien vu après ces combats. Nous avons prié ici les dimanches. Nous avons prié les mardis. Nous avons prié les vendredis. Mais après ces temps, tu n'as rien vu. Mais dans ces temps, dans cette semaine, dans ces jours qui arrivent, le miel sortira de ce combat. Oh, dis-moi amen et je vais commencer à prêcher. Dis quelques temps après. Quelques temps après. Je veux que tu retiennes pour ce matin le mot temps. Quelques temps, temps. Parce que le temps est quelque chose qui combat les enfants de Dieu. Satan utilise le temps pour créer de l'impatience dans le cœur des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à rater son miracle? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à louper sa gloire? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à se complexer? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à dire, moi je ne vais plus à l'église parce que je suis découragé? Le temps. Le temps. Quand le diable utilise le temps contre toi, tu te vois la dernière de ta génération. Tu te vois le dernier parmi tes amis. Tu penses que tout le monde réussit, que toi tu ne réussis pas. Ce jour-là, Samson a tué le lion. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Mais la chose devait attendre un peu. La chose devait rester quelque temps encore. Il y a des gens ce matin qui ont combattu en 2020. Mais peut-être que c'est en janvier que Dieu te donnera le miel. Derrière chaque lion que tu tues, il y a un miel qui se cache. Derrière chaque lion que tu dévores, il y a un miel qui se cache. Derrière chaque pleur, derrière chaque humiliation, il y a un miel qui se cache. Ne regarde pas le temps du Satan. Ne regarde pas le temps que le diable met devant toi. Le diable te rappelle ton âge. Le diable te rappelle tes incompétences. Le diable te rappelle que tu n'es pas encore marié. Le diable te rappelle que tu n'as pas encore réussi. Le diable te rappelle que tu es là. Tu grandis, tu es dans la maison de ton père. Et tu dors au salon, on t'appelle Salomon. Tu es là, tu ne comprends plus ta vie. Mais écoute-moi ce matin, le plus important pour toi, c'est de savoir qu'il y a un temps après. Je suis venu parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont fait l'effort de venir au culte, mais ton cœur reste à la maison. Il y a des gens qui ont fait l'effort de m'écouter, qui crient amen, mais ils ne croient plus attendre seulement que 2021. Il est le Dieu de la dernière minute. Les histoires que tu lis dans la parole de Dieu sont là pour t'éclairer. L'homme selon son cœur s'appelait David. Il a béni en un seul jour. En un jour, il est rentré chez David et sa vie a changé. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est celui qui a vu Bartimée et qui l'a guéri en un jour. Un monsieur était malade depuis 38 ans, mais en un jour, il a retrouvé sa guérison. On a déposé un homme devant le temple en Actes chapitre 3. Le matin, on l'a vu boiteux, mais à midi, on l'a vu guéri. Il est le Dieu qui est capable de le faire en une demi-journée. Le Dieu qui est capable de le faire en une journée. Le Dieu qui est capable de le faire en une heure. Et je prophétise cela sur toi. La chose va arriver. Oh, la chose va arriver. Donne-moi un point, amen, et reçois. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous localise ce matin. Il y a des saisons qui viennent pour éprouver ta vie. J'ai cherché à aller en Europe quand j'étais plus jeune. Et je ne cache pas mes erreurs, je vous l'ai enseigné ici. Ma mère et moi avons fait 7 fois la tentative pour l'Europe. Et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, peut-être à mon 5e ou 6e passeport,
et les nations. Quand j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai ouvert une boîte aux lettres dernièrement où on réclame l'homme de Dieu en Haïti. Il y a des choses où tu ne peux plus aller. Oh yeah, je serais même allé même directement à Bangalore si jamais il y avait l'opération. Je voulais voyager. Mais tu voyages pourquoi? Parce que tu te dis que je suis en retard. Pourquoi je voulais aller en Europe? Pas parce que j'avais un objectif, mais parce que les amis, des personnes qui étaient dans mon quartier sont partis. Il fallait que moi aussi je parte. Je me voyais dernier, je me voyais en retard. Souvent le diable utilise le temps pour te faire croire que toi, tu es dernier. Tu as, regarde aujourd'hui ton âge, tu n'es pas marié. Écoute-moi, le plus important n'est pas de se marier, mais c'est avec qui je me marie qui est important. Écoute-moi, j'ai marché avec Dieu plus de 22 ans et je peux te le dire aujourd'hui, je peux te le dire, l'Éternel choisit ce qui est meilleur pour ses enfants et le choix meilleur prend du temps avant d'être fait. On ne prend pas n'importe quoi pour donner à un enfant qu'on aime, on choisit et pour choisir on met quelque chose à part, on met quelque chose à part et on prend ce qui est important. Laisse Dieu en train de travailler, laisse Dieu en train de faire des choses pour que ton mariage soit un mariage glorieux. C'est Dieu qui a le temps. Les gens te ils t'accusent, ils se moquent de toi selon la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. 2020, elle allait à l'église. Jusqu'à l'heure, elle n'a encore eu aucun miracle, mais elle est pressée. Tous les jours, elle va à l'église. Tous les jours, elle va à l'église. Elle est venue quoi? Souvent, même le diable passe par ton mari pour te dire des choses qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. Le diable passe par ta femme pour combattre ta foi. Mais Dieu passe par moi pour te dire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Oh, si tu me dis amen, cela va se réaliser. Samson a tué le lion, mais c'est quelque temps après qu'il a vu le miel. La patience te donne de rentrer dans ton héritage. La patience, ma fille, te donne d'avoir le meilleur mari. Il y a des gens qui, en voulant montrer aux autres qui se sont mariés, ils viennent se marier rapidement. Arrivé un moment, tu ne sais plus qui est là, mais tu veux te marier. Tu veux que la photo soit dans ton salon. Mais combien de photos sont dans les salons et on pleure dans les chambres? La photo est là dans le salon, mais dans la chambre tu pleures. Tu pleures, tu es en prison, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Quand tes parents viennent, tu veux rester dans le foyer. Tu sais que tu sais, si tu expliques ça, on va te ramener encore à la maison familiale. Oh, dans le quartier, on sait que tu es déjà marié. En ton honte complexe, tu es en prison. Il y a quoi? Le mariage est une bonne chose. Mais avec qui tu te maries? Souvent, quand tu es seul même, tu es mieux. Celui que tu t'en vas chercher pour venir là, tu ne sais pas que c'était un volcan. Il va te finir, il va te détruire, il va te choses. Tous les jours, tu prends crédit avec moi. Tous les jours, tu prends crédit avec moi. Crédit là, tu ne rembourses pas, mais tu prends crédit avec moi. Quand tu bois, tu me frappes. Ça, c'est mariage aussi. Quand je veux me marier, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Quelque temps après. Donc le temps peut devenir une attaque. Et cette saison, c'est la saison où l'ennemi fait passer le temps devant toi pour te dire, regarde, celle-là, sur Facebook, regarde comment elle brille. Lui là, regarde comme aujourd'hui il voyage. Mon ami, tu ne sais pas ce qui est caché en bas de ces choses. Le diable va te montrer des choses pour t'amener à vilipender ta foi chrétienne. Toi qui avais des valeurs chrétiennes, tu vas marcher sur ces valeurs parce que tu te dis, mais écoute, moi je suis dans ça depuis longtemps, mais je ne vois rien. Attends encore quelques temps. Quand le diable commence à te montrer que tu es découragé, quand le diable commence à te mettre des choses dans la tête, c'est parce que lui qui voit loin a déjà vu que ton miracle est déjà arrivé. Ne vends pas ta gloire, ne vends pas ton miracle, ne vends pas ta bénédiction. Reste attaché à la parole de Dieu et je prophétise que cette semaine, Jésus te visite au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi j'ai montré les portables? Cet appareil, aujourd'hui on en rit. Mais est-ce que tu sais qu'autrefois une fille a perdu sa virginité à cause de ça? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que pour ce portable, une personne est allée voir des féticheurs pour avoir de l'argent? Est-ce que tu sais que pour montrer ce portable dans un maquis et montrer qu'il a réussi,
une personne est allée pactiser avec Satan. Ce portable aujourd'hui, on n'utilise même plus pour faire des cabines. Mais pourtant, autrefois, il a été un canal par lequel Satan a volé la gloire de quelqu'un. Tous ces portables, tout ça, on était prêt à tout pour les avoir. Et quand tu les avais dans le temps, tu étais la personne qu'il fallait. Tu es le hiéré du quartier. Tu es la personne qui est à la page. Tu es le choco. Mais où sont ces portables? Les choses du diable passent. Mais pour ça, des gens ont vendu tout ce qu'ils avaient. Et montre-moi l'iPhone 12. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça aujourd'hui? Dans 10 ans, que deviendra ça? Dans 10 ans, qu'est-ce que ça deviendra? Ça, des gens ont pensé que en vilipendant leur destinée, en abandonnant l'église pour avoir ça, ils étaient à la page. Ça aujourd'hui, on ne voit même plus ça. Même à jamais, c'est rare. Les gens prennent ça pour faire des collections. Le temps est passé. Même à 10 000, personne n'achètera ça. Parce que c'est le temps est passé. Mais pour ça, quelqu'un a perdu ce qu'il ne devait pas perdre. Aujourd'hui, pour ce téléviseur qui arrive maintenant, qui est le plasma, qu'est-ce que tu seras prêt à vendre en décembre? Pour ça, des personnes ont tout vendu. Vie chrétienne, foi, tout, pour au moins venir garder quelque chose au parking du quartier. La 504, pareil. Maintenant sur Facebook, pour la nouvelle voiture Mercedes, qu'est-ce que tu vas vendre cette année? Et cette voiture-là, dans 20 ans, qu'est-ce qu'elle sera? Voici la question que Jésus te pose ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt à vendre? Aujourd'hui, nous vendons ce qui est important pour avoir ce qui est urgent. J'ai prêché ce message ici, l'important et l'urgent. Tu es prêt à vendre ta vie chrétienne. Tu es prêt à vendre ta foi en Jésus pour des choses qui vont passer. Bon, j'ai parlé de portable, de voiture, j'ai parlé de téléviseur. Mais à autre chose, ça peut être pour une caution de maison. Quand tu dors là, tu ne dors pas. Celui qui dort dans la maison qu'il a payé, celui qui dort dans la maison de son ami, il ne dort pas. Il ne se réveille pas le matin. La bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu t'élève à un niveau pour te prendre une maison, pour t'acheter une voiture, quand tu l'achètes, tu peux gérer le reste parce que Dieu a déjà tout donné par rapport à ça. Mais quand tu prends une maison, quand tu achètes une voiture, parce que tu souffres dans la voiture, parce que ce n'est pas encore le temps, c'est comme une mangue que tu manges mais qui n'est pas encore mûre, tes dents seront agacées. Trop de bénédictions non mûres dans nos vies. Trop de bénédictions non mûres dans nos vies. Des choses que nous attirons par la force. Des choses que nous cherchons par la force. Laisse-moi te dire que ce que le diable te promet, Dieu t'avait déjà donné cela. Mais tu as un problème, tu es impatient. Ce qui tue l'église, c'est l'impatience. C'est pourquoi aujourd'hui je suis quelque part et quand je suis là, je ne vois pas le miracle, Je me déplace. Mon ami, ce n'est pas une question de se déplacer, c'est une question de s'assurer que est-ce que Dieu veut que je sois dans cet endroit. Si j'ai trouvé le bon endroit, j'attends le temps. Peux-tu forcer une femme à accoucher à 2 mois? Elle suit le processus du temps de Dieu. La venue au monde d'un être humain nous montre qu'il faut être patient. Tu as quel problème? Pourquoi en décembre tu veux vendre ce que Dieu t'a donné de gloire? Pourquoi aujourd'hui tu réfléchis et tu veux succomber? Et c'est en décembre parce qu'on sait que c'est l'aube de la gloire que Dieu va te donner, que les gens t'appellent. L'ancien gars que tu as fermé depuis 4 ans, il t'appelle, il t'écrit sur Facebook, sur WhatsApp, il passe par tes camarades, il vient d'arriver de Paris, il veut te voir. Mon ami, réfléchis bien. Ne vends pas ta gloire. Lisez le deuxième verset, ils vont comprendre. Genèse 25. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Avec mon fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat, car je suis fatigué. Ok. La Bible dit que le plus important était la destinée d'Ésaü. Qui connaît Ésaü et Jacob? Ésaü et Jacob
ils sont des jumeaux, des personnes qui sont du même ventre. Mais Ésaü est sorti et était le grand frère selon les hommes. Mais Jacob s'est dit, il faut qu'il récupère cette grâce. Et la Bible déclare qu'il a préparé un repas qui sentait bon. Et lorsque Ésaü, le grand frère, est arrivé, il était fatigué. Qu'est-ce qui emmène souvent les chrétiens à vendre leur miracle, la fatigue? Tu les entends dire souvent, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Mon mariage, je suis fatigué. Attends, je suis fatigué. La fatigue la peut t'amener à vendre ton bonheur. Parce qu'Ésaü était fatigué. Ésaü est allé directement vers son frère Jacob. Et il dit à Jacob, Jacob, est-ce que tu peux me donner à manger? Et qu'est-ce que Jacob va dire? Il dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Il a dit, la gloire de Dieu sur ta vie, vends-moi ça. Des gens vont dire, mais aïe, normalement il devait dire, mais aïe, comment à cause d'un repas, moi je te vends la gloire de Dieu sur ma vie? Non, aujourd'hui c'est ce que les gens font. À cause d'un repas, à cause de quelque chose que tu vas manger qui se va passer, tu vends ce que tu ne dois pas vendre. La gloire de Dieu qui s'est levée. Tu as prié toute une année, mais maintenant que la gloire de Dieu va se lever pour toi, tu veux vendre cela. Et beaucoup de personnes, j'ai prêché ça une fois ici, j'ai dit la nuit du 31 décembre, c'est la nuit où beaucoup de gens perdent leur gloire. Tu as prié pour une année, Dieu te récompense pour la nouvelle année, et tu commences maintenant à faire quoi? À vendre ça, à vilipender ça. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que Dieu va te bénir. Ce matin, je viens te dire, fais attention à là où tu vas. Décembre là, tu peux laisser pour toi dedans. Décembre là, tu peux laisser la fatigue que tu as mise en place pour pouvoir avoir tout ton miracle. Tu peux tout perdre en décembre. Où tu vas aller? À cause de mèche? À cause de quoi? Dis-moi. Parce que toi, tu ne veux pas rester à la maison le 31. Il faut que tu sois avec quelqu'un. Toi, tu dois sortir. Ma camarade, les mêmes maquis, les païens là, ils vont revoir ça après. Les mêmes restaurants vont s'ouvrir après. Rien ne se fait. Toi, pour le 30e, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Mais 30e, c'est toi qui veux tuer bœuf. Tu ne manges pas en janvier. Il faut que je porte la chaussure de 800 000 là. Ça là, je dois porter ça 30e. La nuit là, tu vas porter, la nuit va durer. Premier, je ne lève plus. Non, nous faisons des choses. Et souvent, c'est étonnant. Ce jour-là, c'est comme si Satan a réussi à enlever notre intelligence. Tu sais que tu viens de prier à l'église. Le 31, ton prophète, ton bishop a prophétisé sur ta vie. Jésus-Christ t'a parfumé, parfumé. Tu sens bon. 2021, la gloire veut venir dans ta vie. Et juste après le culte, tu t'en vas dormir à l'hôtel de côté. C'est un problème. Et le matin, tu te lèves. Le 31 a réussi. Mais ce qui a réussi aussi, c'est Satan. Il a reçu son coup. Et tu commences à voir que janvier est directement dur pour toi. Janvier est difficile pour toi. Souvent, janvier est difficile, pas parce que c'est un mois difficile. C'est parce qu'on a vendu ce qu'on ne devait pas vendre. Ce genre de messages-là doivent être prêchés aussi dans les églises. Le mois de décembre, là, c'est un mois où les gens vendent ce qu'ils ne doivent pas vendre. Ta gloire, ce qui te caractérise, ton miracle, ta bénédiction, pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et malheureusement, pour beaucoup, nous tombons sur des menteurs, des vendeurs d'illusions, des vendeuses d'illusions. Tout est fabriqué sur elles. Ses fesses ne sont pas ses vraies fesses. Ses cheveux ne sont pas ses vrais cheveux. Tout n'est pas vrai. Dans la nuit, tout brille. Make-up, tout est maquillé sur toi. Le matin, quand tu te réveilles, tu es effrayé. Tu vas où? Il y a ton frère, tu vas où? Ce que tu as choisi, c'est ça qui est là. Ah, j'appelle le monsieur là. Je l'appelle, il ne me répond plus. Je l'appelle, il me janvier. Façon, les gens sont tristes. Et c'est les pasteurs qui souffrent. Pasteur, je ne comprends plus ma vie. Je ne sais même plus ce qui se passe. C'est comme s'il y a un esprit. Il n'y a pas un esprit. Le monsieur là t'a menti. Tu appelles, il ne décroche plus. Parce que la voiture, ce n'est pas pour lui. La veste, ce n'est pas pour lui. La chaussure, ce n'est pas pour lui. Parfois même, il a prêté. Il allait se parfumer à Zino avant de venir te voir. Gloire à Jésus. Pour des choses qui ne valent pas la peine, tu vends ta gloire. Parce que chacun se présente sur le meilleur angle de sa vie. C'est que toi qui n'as pas compris ça, qui pleure et qui te complexe. Sinon, si tu t'assois quelque part, tu peux aussi te prendre en selfie et les gens vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Fais attention à où tu vas. Fais attention à ce que tu fais. Les gens qui sont ici, qui ont deux bureaux, pardon.
cette année, ne fais pas ça. Parce que quand tu as une femme à la maison que tu as bénie, que tu as mariée, et que tu inventes une affaire pour dire que la Lonassi t'a envoyé quelque part, le 31, tu dois comprendre que pendant qu'elle pleure, Dieu te retire sa gloire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant, celui qui fait pleurer ce bonheur, il trouve quoi? Elle souffre, son mari n'est pas à côté d'elle. Il a laissé 2000 à la maison pour faire la sauce. Et il a exigé qu'il lui a goûté dedans. Elle est en train de chercher. Mais dehors, il est papa Kofi, travaille. Il faut que je vous parle ce matin. Parce que la saison où on rentre dedans là, c'est une saison dangereuse. Ne regarde pas le visage de ton voisin. Tu le vois là comme un vrai chrétien. Comme une vraie chrétienne. Elle est tout le temps en train de faire signe de croix. De croix. Dangereuse. Je vous le dis. Nous ne regardons plus aux yeux. Nous regardons au cœur. Dieu regarde au cœur. Tu les vois là quand je parle. Oh papa, mais. Oh, c'est dangereuse. Quand tu prêches ce message. Ils sont les premiers à dire à leurs voisins, c'est pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais. Ça, papa, prêche. Dangereux. Ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas changer de vie. Donc ils s'encouragent. Ils veulent qu'on ne sache pas qu'ils sont dedans. Donc quand tu prêches ça, oh Seigneur, papa, ça c'est la parole. Non, hey, non, mon père, papa, papa. Dangereux. Arrête ce que tu fais. Parce que chaque année, tu vends ta gloire. Chaque année, tu vends ta grâce. Et ceux qui sont dans les choses mystiques savent que c'est le temps du marché où ils vont prendre sexuellement la gloire des gens. Ne permets pas que toute ton année, tu aies prié et que quelqu'un vienne récupérer ta victoire. Tu n'as vraiment jamais de la vie. Ésaü a vendu sa gloire à Jacob à cause d'un repas. Quelque chose d'éphémère. C'est pourquoi j'ai montré les portables et tout ça. Dernier verset. Matthieu 4, oui. Verset 2 à 4. Oui. Après avoir jeûné, oui. 40 jours et 40 nuits, oui. Il eut faim. Il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Des pains. Jésus répondit, oui. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors moi je vais vous poser une question. Pour ceux qui ont eu faim dans la vie comme moi, quand tu as trop faim, qu'est-ce que Dieu te donne en premier pour calmer la faim? Oh, dis ça fort. Qui sait ce que signifie l'eau dans la Bible? La parole de Dieu. Amen. Lorsque tu arrives à un moment de ta destinée où tu as faim, où tu sens que tu n'en peux plus, il y a une seule chose qui peut te donner encore la force, c'est l'eau, la parole. Si tu as la parole de Dieu et que tu médites la parole, tu vas voir que la faim spirituelle va diminuer. Je ne parle pas de faim comme faim où on doit manger, mais je parle de faim comme un manque. Dans ta vie, c'est la faim qui fait que souvent quelqu'un va se livrer à quelqu'un. C'est la faim qui fait que souvent quelqu'un va faire des choses qu'il ne devait pas faire. Quelqu'un va faire des choses qu'il ne devait pas faire à cause de la faim. Jésus lui-même avait faim. Le diable est venu le tenter. Quand tu as faim, quand tu es dans une impossibilité, tu as un problème grave, on appelle ça une faim. Tu as un manque, tu as besoin qu'on t'aide. Il y a une situation grave. C'est là que le diable vient. Le diable sait que si jamais tu n'as pas faim, tu vas lui dire merde. Il attend le temps où tu auras faim. Le temps où tout le monde actuellement, là, les gens sont en train d'acheter. Il y a poulet dans toutes les maisons. Il y a à manger dans toutes les maisons. Là où tu as faim, où tu sens que la honte va venir, c'est là qu'il vient te tenter. C'est là qu'un appel apparaît sur ton téléphone. Et tu dis ça là, je suis obligé d'aller. Tu n'es pas obligé d'aller. Tu n'es pas obligé de vendre ta gloire. Tu n'es pas obligé de vendre ton miracle. Tu n'es pas obligé de vendre ta destinée. Je le dis avec beaucoup d'humour, afin que cela ne te choque pas, mais pour que tu gardes cela dans ton cœur. Savoir que c'est la saison où tu as prié, on a compris. Tu as lié Satan, on a compris. Mais Satan viendra sous la forme de certaines choses que tu aimes. Les gens à qui tu avais eu la force de dire non hier vont revenir. Parce que c'est décembre. Là où le marché démoniaque s'ouvre, ils vont tenter de prendre ton miracle. Tu es marié, reste attaché à ta femme. Reste attaché à ton mari. Parce que l'ex va commencer à vouloir revenir. C'est le moment de dire à quelqu'un, il est important que tu sois rattaché à tes valeurs. Chaque jour, prie pour que tu ne succombes pas à la tentation. Wow! Shalom à toutes et à tous. Vous avez aimé cet enseignement et vous désirez nous rejoindre, vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à Abidjan et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire.
très bonne nouvelle pour vous. Nous avons des navettes à votre disposition de façon gratuite. Il vous suffit simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez jamais, BCK, plus qu'une église, nous sommes une famille. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Il agira, il le fera, oh, il le fera, oh, il le fera, oh, il le fera, mon Dieu le fera, oh, 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 oh,